On est de retour pour une autre émission avec ma belle Cathy. Comment ça va, Cathy? Très bien. Fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui. J'adore ton outfit, le rose de tes époustouflantes. C'est rendu 4 saisons maintenant, le rose. On a un docteur avec nous. Oui. Michel Aubé, docteur en physiologie. Bienvenue à l'émission, Michel. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Bienvenue, Michel. Michel, il est docteur en physiologie pour l'entreprise Earth Science Technology. Alors, bienvenue à l'émission, Michel. Parle-nous un peu de comment tu as commencé ton parcours comme docteur. Oui, certainement. Bien, c'est que à l'âge de 12 ans, j'étais vraiment touché par les gens. J'avais beaucoup de compassion pour ceux qui étaient atteints de maladies incurables, comme le cancer principalement. Okay. Et je me disais toujours, il faut que je... T'avais une mission, toi, là. Je me suis donné un peu de mission à cet âge-là. Puis vers l'âge de 17 ans, c'est quand j'ai appris la problématique du sida, qui est une autre maladie qui est incurable dans le temps, qui est toujours incurable, mais que les gens peuvent avoir une meilleure qualité de vie grâce à la recherche. Mais il n'y a pas de vaccin encore. Puis moi, je me suis dit, je veux être le premier à trouver un vaccin. Mais pourquoi il n'y a pas de vaccin après 30 ans, habituellement, des maladies de même? S'il y en a, ça peut prendre 10 ans, 15 ans à développer les vaccins, comme la chlamydia. Il y a 50 ans que les efforts continuent, puis on n'a pas encore. Il y a des problématiques, certains parasites qui sont difficiles à trouver des solutions, dont le sida, c'est un des plus problématiques. C'est comme ça que ton parcours a commencé avec l'entreprise Earth Scientech? C'est ça. Donc, pour avoir une notoriété, ça me prenait des études, ça me prenait des connaissances. Okay. Je voulais faire avancer la médecine. Donc, j'étais à l'université, j'ai fait un doctorat en physiologie, puis j'ai fait 5 ans comme chercheur postdoc en immunologie. Ah, mon Dieu! Donc, un an sur le vaccin. Tu as passé beaucoup de temps sur le banc d'école, là? Oui, puis ce qui est fun, c'est que quand on est chercheur à l'université académique, bien, on est payé pour faire nos études. Ah, ça donne beaucoup de chance là, au Canada pour pouvoir continuer à aller loin de l'université. Justement, on a tourné une courte vidéo chez toi pour aller voir ça. Justement, un peu des services que tu offres. On va aller voir ça tout de suite. Hi, my name is Michel. I am the CEO and Chief Scientific Officer of Earth Science Tech. At Earth Science Tech, we make medical devices and functional foods to improve lives and health of women and men around the world. We provide the best quality, high-grade CBD hemp oil, and people love it because it helps them feel better. The CBD is an antipsychotic molecule that has relaxing effect, and also it has anti-inflammatory effect. In some people, it helps to treat chronic pain. We are also developing pharmaceutical products to prevent or relieve many medical disorders like inflammation, cancer, post-traumatic stress disorders, and many others. Industrial hemp is a source of many nutritive elements like omega acids, minerals, and vitamins. Visit our website, earthsciencetech.com, and find us on the OTC markets using the symbol ETST. See you next time. Écoute, ça a l'air vraiment intéressant. Puis c'est quoi les prochaines étapes? Là? Tu me parlais d'un huile aussi, que tantôt qu'on parlait aussi. Bien, vos produits, exactement. Vos produits, oui. C'est ça. Donc, la compagnie s'est faite une réputation en commercialisant d'huile de chanvre industrielle, mais qui a un haut taux de CBD à l'intérieur de l'huile. Ça aide à guérir quelque chose, ça? Bien oui, certainement. Il y a des compagnies qui ont pris cette huile-là, qui en ont fait des traitements en montrant chez des gens que ça pouvait traiter, exemple, la sclérose en plaques. Il y a un médicament qui est approuvé par Santé Canada et que la compagnie distribue dans le monde. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait de la recherche pour trouver des traitements, exemple, pour le cancer du sein. La molécule présente dans l'huile de chanvre CBD a des propriétés anti-cancer, des propriétés anti-inflammatoires, anti-anxiété et même antipsychotiques. Donc, il y a plusieurs maladies que les compagnies cherchent à traiter avec ça et nous, on est engagés. À partir de celui-là. Exactement. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a-tu quelque chose de spécial? Elle a-tu poussé dans l'Himalaya? Je ne sais pas. Non, pas du tout. C'est du chanvre industriel qui est utilisé pour faire des textiles. Depuis des millénaires que c'est cultivé. Okay. C'est l'huile fait un produit alimentaire que nous vendons. Nous distribuons dans plus de 100 magasins. C'est une huile pour monsieur quand même tout le monde alimentaire. Mais à l'intérieur, il y a des cannabinoïdes qu'on appelle. Puis notre système, il y a un récepteur à cannabinoïdes. Donc, ça On parle de cannabis, là. Cannabinoïdes. Cannabinoïdes, mais c'est la plante cannabis sativa, qui est la plante qui fait le chanvre industriel, mais un autre dérivé fait la marijuana médicale. C'est pas la même plante exactement. Okay. Et le CBD, lui, il n'y a aucune
effet psychotique. Donc, il ne dérange pas, il ne rend pas euphorique, il ne fait pas d'accoutumance. Même ça combat les accoutumances. Ça peut servir même à traiter les cocaïnomanes. C'est une chose que je n'ai jamais entendu parler sur le marché qui avait ça aussi. Ça fait longtemps que ça existe. Oui, c'est surprenant. Si vous faites un peu de recherche dans la littérature, c'est surprenant toutes les études qui ont été faites, mais c'est en effervescence. C'est vraiment en augmentation parce qu'il y avait le tabou justement du cannabis puis des substances psychotiques. Ce qui arrive, c'est que vous prenez un médicament qui contient du cannabis ou du THC, qui est la substance psychotique, mais là, vous ne pouvez pas conduire des effets secondaires avec Tandis que nous, il n'y a aucun effet secondaire parce qu'il n'y a pas de THC du tout, il n'y a aucun effet. Parle-nous de la mission de l'entreprise Earth Science. Le nom le dit, c'est la nature, hein? C'est des produits de la nature. C'est ça. Donc, on prend ce qui est dans la nature, puis ce que la nature nous offre, bien, il y a des traitements là-dedans, il y a du mieux-être aussi. Donc, la mission, c'est d'améliorer la vie des gens avec des traitements alternatifs et qui peuvent aussi se combiner aux traitements actuels. Donc, notre force à nous, ça va être de prendre de l'huile de chanvre combinée avec des médicaments existants, génériques, et faire des nouvelles thérapies. Moi, ce que tu en penses, où est-ce qu'on peut vous retrouver, ce que vous avez sur un site Internet? Oui, on a un site Internet, c'est earthsciencetech.com. Okay. Et on a une boutique en ligne. Les gens peuvent essayer les produits. Il y a des petits formats pour commencer parce que les gens sont curieux, voudraient essayer. Il y a des petits formats à 25 $ que les gens peuvent commencer avec. Et puis même, on a même des produits transformés, comme on a un excellent chocolat qui est fabriqué par un Montréalais avec l'huile de chanvre à l'intérieur, une valeur ajoutée au produit. Wow. On distribue ça dans plus de 100 magasins aux États-Unis. Et en ligne sur notre site Internet. Donc, il y a plusieurs façons. Bien, merci beaucoup, Michel, de l'émission. Merci, Michel. Ça m'a fait plaisir. Nous, on se retrouve dans quelques temps dans notre prochain invité.